Yo les ultras, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vidéo assez spéciale. Je vais commenter 3 matchs du Six Invitational. C'est l'événement majeur de Rainbow Six. C'est carrément un truc de malade. Je vais vous partager ça sous forme d'un petit condensé avec les meilleurs moments, les meilleurs frags. En gros, ça va vous régaler. Je vous laisse vous installer, posez-vous bien. Bon visionnage. Allez, bouge pas trop. Il la joue malin là. Il sait qu'il est là, le préfet. Oh là là. Et on a allez, bridé, bien joué ça. Par contre, il n'y en a aucun qui abandonne. Hein. C'est stuff décale. Hein. Ouais, parce que là, il a des ADS, des systèmes trophy. Oh, bridé qui tente un truc. C'est ballsy. Oh, oui. Oh, c'est beau, bridé, le double. Oh là là, t'as vu ça, mec? Il est passé à travers le truc électrique et tout. Ah, mais là, il a redonné l'avantage au BDS et tout. Oh là là. Oh, Sheiko. La clé mort qui se déclenche. Oui, c'est le smoke. Ah oui, le prefire aussi, oh Sheiko. Ok, ou... Sheiko qui fait tomber. Et Sheiko qui finit le round. Oh là là. Ils ont pas joué. Enfin, c'est bien parce qu'ils se réveillent parce qu'ils étaient pas joués. Magnifique, hein. Bah, au moment où t'as dit qu'il était pas dans son match, il s'est fait tuer à ce round là. Oh, Sheiko. Oh là là. Non, mais les gars, Sheiko, il est pas humain ce mec là. Et là, on d'accord. Voit qu'il s'est inséré, qui va être contact directement sur la Valkyrie, qui va la détruire, mais on a perdu Sheiko dans le procédé. Le merde. Discret. Oh, le premier, oui. Quoi? Il l'a buté. Il l'a éteint. Il a libéré le BP du coup pour... Oh, le monstre. Il est de 4v3 là, en plus il y a RHZ là, il est super low. En vrai là... Il s'est passé quoi là? Pourquoi il y avait un emoji de grenade? Il y a eu un petit bug d'affichage. Voilà. Ça c'est la ying, tu vois, balance ses boules. Bah là ça a été avalé par un ADS. Donc l'ADS c'est un ADS qui avale les projectiles. Et là ça part. Voilà. Là tu vois ça bloque. Oh là là. Alors Sheiko il est blanc, il pouvait rien faire, mais là LM pour le LMJ justement dont tu parlais qui lui n'est pas blanc. C'est exactement ouais, ça. Ouais, parce qu'il a Warden. Et là 3v2, on passe en 2 BDS, on va. Et voilà, on s'est fait rebouffer, on a plus de ying maintenant. Maintenant il fallait comme un bonhomme, et non. Ah la première kill, attention. Aïe aïe aïe, ça va finir sur un clutch, bridé. Un v1, bridé le clutcher. Moi je pense qu'il le fait. Oh, il s'est blanchi. Oh là là. Oh, le fail. Côté droit là. Gros, tu le vois progresser? Bam, il fait tomber. Oh là là. Oh là là. Oh non. Il l'a pas eu? Non, il l'a pas eu. Attends, et son mate il fait quoi là? Oh. Ah, c'est bon. Non mais frérot, ça joue là. Ah ouais, là ça joue. Ah mais là ça joue. Oh le chien, non. Ouais, la spécificité de ce top SP c'est que genre bah t'as plein de petits endroits pour te cacher. Ah, ça c'est super, c'est quoi, intéressant. C'est quoi ce truc? Bah en gros il lui a deny un spot. Oh. Oh. Oh, oh, oh non. Dommage. Beurre de cacahuète qui fait tomber Alem. Voilà. Non. C'est, ça fait point ce nouveau. Non. Et cheaté. Non. Oh, il replante gros. Ouais. Mais et Bibou. Voilà, mais non, là là, Bibou. Bibou. Et juste question, pourquoi est-ce que des fois certains joueurs sont knock et d'autres fois certains meurent instant? En vrai, ça dépend du stuff qui est utilisé, ça dépend de l'arme. Ok les gars, ok, ça marche. Grenade, tu peux être down avec une grenade. Si la grenade est un peu trop loin pour te tuer, ouais, l'heure il va se faire baiser. Ouais, c'est trop compliqué. Non, P4 qui te choque. Wow, deux kills qui arrivent à prendre deux kills comme ça. Avec un pistolet, 3 kills. 4 kills. Oh là là. Non, frérot, il les a pulvérisés le Doki San. Et ils prennent du stuff, hein. Wow, la one way kill aide à prendre oh kill. Oh là là. Oh là là, 2v2. On a réussi à revive Mowgli, mais on est extrêmement loin. Maintenant, il va falloir planter, malheureusement. Il reste 10 secondes. On a perdu le diffuseur au niveau de ce bleu, donc on va devoir push pour les joueurs. 2v2. Oh là là. Oh non, Ryze. C'était de l'autre côté. 3 secondes. Ryze qui va tourner. Ryze qui ne trouve pas. Oh, oh là là. Le 4v2 qui est gagné de la part de G2. Oh là là. C'est bien. Oh non. Ok, Mowgli a pris un autre kill. Bibou, oh Bibou, le très beau flank de Bibou qui a réussi à revenge Mowgli. Par contre, il faut faire attention. Mowgli qui est bloqué. Hein. Mowgli qui est bloqué dans le corner, c'est du 2v2. Doki, il est complètement bloqué. Hein. Très belle smoke, très belle smoke. Oh non, on se fait avoir par Doki. Oh Bibou, 1v1. Oh non, c'est fini. C'est fini. Zonra, bravo.
Bravo Wolf quand même. Donc on va parler un peu des équipes, des updates. Et à partir de 21h30 les gars, l'affiche elle fait envie. Mais mec, tu sais que j'ai lu plein de choses sur les nouveautés qui devaient arriver. Genre il y a plein de nouveaux opérateurs et tout. Mais même il y a tellement de nouveautés. Il y a des pages de nouveautés. Comment ça se fait qu'il y ait autant de nouveautés qui sortent en mode d'un seul coup? C'est pas vraiment d'un seul coup, c'est ils annoncent, genre ils ont un plan pour l'année. Nous, pendant le Six Invitational chaque année, c'est ce qu'on appelle une roadmap. D'accord. Et en fait, c'est découpé en 4 saisons. Il y a sur chaque saison et sur toute l'année, du coup, on a des changements qui vont du core gameplay, donc des changements qu'il y a dans le jeu, jusqu'à l'expérience utilisateur. La sécurité, la toxicité, les changements d'interface. J'ai vu, il y a des nouveaux opérateurs et il y a aussi un nouveau système pour pouvoir tester ces opérateurs maintenant. Le premier round, il était... En fait, ce que j'aime bien aussi, c'est que même après le round, on voit les POV des joueurs pendant les actions qu'on a peut-être ratées. Tu vois, ça, c'est un truc qui a été ajouté. Oh ! Oh ! Oh ! Pas très légal. T'as vu ce qu'il lui a mis ? Alors, on voit... Il y a 55 secondes, un blur qui va push. Attention, parce qu'on va drop, on va faire... Oh là là, ça tombe vite. Oh là là, G2, comment ils sont groupés, gros ? Ça oh non, oh, oh fuck, la triple kill. La triple kill. The tank. D'ailleurs, petite parenthèse, l'un des changements dont on n'a pas parlé, c'est le rechargement. Maintenant, quand tu... Ou la nade par en dessous... Oh Alain Case. Sa dernière smoke, maintenant il reste 30 secondes, on n'a plus rien par contre. Oh. On se fait tuer en plus de ça. Ben. Donc y a Rulio qui vient s'occuper du carrelage. Intéressant parce que là on a posé le shield mais Blur qui a réussi à faire tomber Erds. Donc on peut pas compter le drop. Oh le drop de JV qui arrive à couper la rota ici. Ah oh, bien joué de la part de Benja. On peut pas tuer. Oh là Ben qui a éclaté Rulio aussi. Là on va essayer de planter, on va pouvoir planter. On a le double shield d'Oza devant soi donc on est assez safe. On n'a pas de stuff. Oh mec, il va falloir rester serein. Oh non mais là il est dans la meilleure situation parce qu'il a une batteuse dans les mains. Il a un shield, il sait qu'il y a un joueur à sa gauche, le clutch dans Benja. Oh Benja le goût. Là c'est intéressant, on voit LMAO qui joue Warden, donc il voit à travers les flashs, à travers les smokes, et le travers de LMAO sur Julio. Oh non. Il en a mis deux. Oh le coup. Oh là 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 là, la map validée du coup. Ça joue bien, attention parce qu'elles sont. Attends, il est sur un clutch là, frérot. En train de se roue, attention. Mais frérot, je parlais plus là, j'étais pas bien. Ouais, mais moi j'étais en train. Oh, bien joué. Oh, ok. Et Ben, quadra kill là. Je comprends pas, bien joué ça de la part de Doki. Deuxième kill de Doki dans le round. Oh, ça sert à Benja. Ben qui a attaqué, gros. Oh, le cochon, il a attaqué en fantôme, c'est ça? Sans faire de bruit. La flash pour de la part de Wolves qui va décaler directement. Le secret qui passe pas, premier kill pour Wolves. Ok, ça passe, il y a Alem qui vient de tomber. Wolf qui ouverture. On a réussi à down. Oh, bien joué. Oh là là, Ben qui se fait. Doki qui réceptionne un premier. Doki qui se fait tuer. 4v2. Doki qui se fait exploser. Oh, 4v2. Le C4 de Virtu. 2v3. Lou qui tombe. 1v3. On dirait que c'est un pari gagné. Ils ont l'info sur lui. C'est perdu. Oh, c'est jamais perdu. Hein. Oh, il va décaler au bon moment en plus. Oh, la tête qui passe pas. Bien joué. Oh, c'est tendu. Oh, c'est 3v3. 3v3. Il reste 25 secondes. Il reste 20 secondes. C'est trop tendu, 3v2. Oui, oui, il tombe. Toki qui donne l'avantage. Non, Case qui revenge. Il reste 10 secondes. 2v2. 5 secondes, gros. Blue 4 de HP. 0 seconde. 1v1. Il y en a un qui est down, c'est du 1v1. C'est du 1v1. Oh mon dieu. Benchmaster, le Case, le jeune prodige. On a les deux POV. Oh, non, c'est l'overtime. Non. Et Benja Master qui récupère un kill. 2 kills récupérés de la part de G2. 2 kills. On commence à paniquer un petit peu. 5v3. 4v1. 5v2. C'est 1v4. 1v4. G2. G2 champion du Six Invitational. G2 qui gagne. Incroyable. G2 gros. Incroyable. Incroyable. J'avais pas y croire.
GG. It's J2!